Ouais. Et j'ai pratiquement fait 6 ans avec quelqu'un qui est malheureusement décédé, le père de mon enfant, il y a de cela 3 ans. Ouais. Donc, la vérité. Je jure de dire la vérité. Toute la vérité. Toute la vérité. Et rien que la vérité. Et rien que la vérité. Célibataire ou en couple? Déjà, moi, je sais qu'en couple, c'est-à-dire tu es marié, tu as une alliance. Est-ce que sur le plateau, on compte les bibouanes? Non, il faut cette précision-là. Est-ce que le bibouanage, c'est genre, c'est une relation officielle? Oui, bien sûr. Ouais. On est obligé de compter tout, hein, j'ai. Donc, c'est beaucoup oui, de bibouanais. Jeanne est là en couple quand même. Charisme. Donc, si toi, mais je te disais que tu es célibataire, tu allais croire. Une beauté fatale. C'est vrai ça qu'il attendait. Le nom ici. Combien de relations amoureuses sincères jusqu'à présent? C'est un peu comme quand les gars partent à la tribune, on tu es gris, tu es face. Tu es gris, tu es face. Tu es face. Alors, je dis, tu es la tombe officielle, on a dit que ouais, mon bébé même. Alors qu'il est passé même quelques fois. Alors, est-ce que Diane est dans une relation sincère, c'est ça? Non, combien de relations présentement? Non, oui. Depuis que tu as commencé. Ah, ça me y a pété. On va compter ça. Oui. Mais j'ai un passé douloureux. Beaucoup de doigts. On est prêt. Bon, voilà, non, Diane n'est pas très évasive relationnellement parlant. C'est-à-dire, depuis que j'ai commencé à faire. Oui. À sortir avec les gars. Oui. Non, tu veux. Ah, d'accord. Carlos, s'il te plaît, baisse ton doigt. J'ai baissé mon doigt. Bon, combien? Oh, pardon, les. 4-5, parce que je suis fiancée. Ouais. Et j'ai pratiquement fait 6 ans avec quelqu'un qui est malheureusement décédé, le père de mon enfant, il y a de cela 3 ans. Ouais. Donc après ça, il a été très très difficile de me relever. Donc voilà, tu vois que 6 ans, j'ai pas un CV assez lourd quand même. Donc j'ai passé 6 ans avec quelqu'un où je me sentais déjà mariée, femme de quelqu'un. Donc. Mais quand tu dis voilà, c'est pas quand j'ai comme si c'était matin. Non, mais c'est. Il compatit, oui, c'est bon, voilà. C'est un peu ça aujourd'hui qui fait tout le temps, même quand je suis énervée, je ris. Pour un peu masquer la douleur. Voilà. D'où l'humour, donc. Oui, un peu, en quelque sorte. Oui. Merci énormément pour cette sincérité que tu as avec nous dans Urban Tube. Moi, j'ai été sincère, si on n'a même pas compris. Ton cas est négligeable. En plus, c'est Luxandra qui a dit, hein. Là, tu reconnais tes vrais amis. Là. Voilà. À quel âge est-ce que vous avez embrassé pour la première fois? Là, on va commencer par Diane, par contre. Ah oui. À quel âge? Lui, l'âge. Je me rappelle plus de l'âge, mais c'est que je faisais 4e. C'était ton camarade de classe? Non, pas. Mop. Juste, oui. C'était pas mon camarade. C'était pendant les vacances, non. Nous étions les vacanciers au village et tout. Je connais alors mon petit village au village. Il me tourne un peu la tête. Et puis bon. Elle dit que le gars le tourne. Il me tourne la tête. Donc voilà. C'est comme ça que bon. Tout est allé, on a gardé le contact. Mmh. Je suis revenu à Yaoundé. Je me suis dit à Yaoundé. Après les parties, Carlos, tu vas t'étouffer. Alors on s'est perdu. On s'est perdu de vue, mais c'était lui. Le premier. Le premier. Très souvent, le bisou est accompagné de l'acte. Alors, à quel âge est-ce que vous êtes passé à l'acte? Vous avez sauté le pas à quel âge? C'était pas la première personne. Hein. Comme si après ça. Directement. C'était pas la première personne. À quel âge? Moi, je me rappelle plus de l'âge. Tellement. Quelle classe? Classe, voilà, en terminale. Oui, en terminale. En quelle année, si tu te rappelles? 2013. Là, oui, tu vois, je suis un bon. À quelle heure? Parce que tu connais, hein, la classe. Non, pas l'heure. Bon, c'était quand même en soirée, mais c'était un mercredi. Ah, que le. Oui. C'était avec ton camarade de classe ou bien voisin du quartier? Non, pas un camarade de classe. Moi, je faisais pas les interclasses. Ah, mouf. Faut pas que les goules s'entrechoquent. Non, c'était avec une connaissance. Loin, loin de moi. Bon, voilà, un papa. Donc... Oui. On a juste. Une virgule et puis voilà. Question suivante. Hey, Carlos! Écoutez Urban Tube!